Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais ouvrir les cadeaux, vous connaissez hein, je pense maintenant. Je le fais assez souvent, j'essaie d'en faire un à deux par semaine sur la chaîne parce que je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires le thème de la vidéo de j'ouvre les cadeaux, qu'est-ce que vous aimeriez que j'ouvre comme cadeau? Alors aujourd'hui, ce sont les personnes avec les cheveux de couleur rose, et ça tombe bien puisque sur la première page, nous avons déjà une première candidate qui est Mélissou 2009, et on va ouvrir ces deux cadeaux. Alors je pense. Ouh, waouh! Ça commence très bien. Alors je suis désolée hein, Lalo, je m'excuse déjà d'avance dans cette vidéo puisque oui, c'est Lalo qui me fait mes looks sur Movistar Planet à chaque fois. Donc d'ailleurs je te remercie en vidéo. Je crois que je te remercie jamais vraiment hors vidéo ou hors live parce qu'à chaque fois je le découvre en vidéo ou en live. Voilà. Parce que je vais destroy son look. Bon là ça va, la robe, parce que là c'est la robe qui est dans le pack actuel, je vais vous montrer quand même. Voilà, c'est la robe là, un petit peu recolorée ici, mais sinon c'est la même et elle est très jolie d'ailleurs, merci beaucoup à toi. Et on va ouvrir ton deuxième cadeau. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en vidéo quand je rate. Quand je rate des cadeaux, n'hésitez pas également à me préciser l'heure à laquelle je l'ai raté, parce que des fois, je me plains d'être daltonienne, mais je ne suis des fois pas la seule. Donc j'aime bien quand même vérifier c'était à quel moment pour vraiment savoir si effectivement je l'ai raté ou pas. Des fois, effectivement, je rate, même voire souvent, mais des fois, c'est pas moi qui me trompe. Hein. Ok, donc là, je rappelle le principe. On ouvre les cadeaux des personnes qui ont les cheveux roses, donc pas violets, hein, roses. Précise, donc là on va dire que c'est du rose. Rose saumon, mais c'est du rose quand même. Donc on va ouvrir le cadeau de Cléa Organic Creature. Et voilà. Non, mais c'est tarif, hein. C'est le but du jeu. Quand j'ouvre le cadeau, je le porte, qu'il soit beau ou pas beau. Alors là, c'est plus du blond que du rose, hein, même si j'hésite. C'est un petit peu teinté rose, mais. Ah là, j'hésite rose violet. Bon, allez, on ouvre quand même. Oh, sympathique. Sympathique, couleur citronnée. Alors là, à part la coupe qui ne va pas du tout, ça passe. Bon, là, je vais pas compter, hein. Faut que toute la coupe soit rose. Mais même si ça me tente d'ouvrir ces cadeaux, malheureusement, ça me tente. Là, c'est plus blond que rose. Ici, nous avons un cadeau de Christine d'Halloween. Hey, mais c'est pas Halloween là, c'est en octobre Halloween. Voyons. Ok, nous continuons. Là, c'est du violet. Apprenons les couleurs avec Quinzel, bonjour. Non, mais en vrai, vous êtes quand même pas mal à porter du rose au niveau des cheveux. Donc, ça devrait pas non plus. Voilà, on devrait quand même pouvoir ouvrir quelques cadeaux dans cette vidéo. Voilà. La très jolie dégradée de rose dans les cheveux. Moi, chaque fois que je vois cette coupe, je sais pas si pour vous c'est le cas, mais moi, ça me fait penser à Byun. Parce que Byun, elle a. Je sais pas si elle a toujours la coupe là. Mais elle la porte souvent quand même. Hein. Enfin, depuis que je la connais, elle l'a toujours portée. Hein. Après, ça fait un petit moment que je suis pas allée voir son profil. Faudrait que j'aille voir d'ailleurs. Mais voilà, ça me fait penser à elle quand je vois cette coupe. Dites-moi si vous aussi. Ouais, là c'est un rose pastel, mais c'est un rose. Et on valide du coup. Voilà, là ouais, franchement, juste si quelqu'un aux cheveux roses peut. Enfin, peut. Non, parce qu'au moment où vous regardez la vidéo, c'est mort dans le game. Mais s'il y avait quelqu'un qui m'aurait envoyé une petite coupe plus sympathique que celle-là, elle est horrible. Elle est pas belle du tout, cette coupe. Surtout, regardez la tête que ça lui fait à ma Movistar. Elle est genre en mode dépité, en train de me regarder à travers l'écran, en train de me dire, Quinzel, pourquoi tu m'as mis ça sur la tête? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Alors là, bon, on va compter quand même ces cadeaux. De Sweety Panda. J'ai bien fait parce que ça va bon. J'aime beaucoup le ruban. Il est super mignon. J'aime beaucoup la jupette. Bon, toujours la coupe hein, qui ne va pas, mais on y croit. Eh ben, on a bien fait d'y croire. C'est déjà beaucoup mieux là. C'est déjà beaucoup mieux. Avant, ça me piquait les yeux. Là, ça me pique un peu moins les yeux quand même. Mais ça va. Ça va. Franchement, là, ça va. Là, tu vois, ça passe. Tu vois, là, je sors dans la rue. Ça va. On va pas me regarder de travers. Ah là là. Et nous continuons notre ascension. Ici, nous avons une Jessie Chou. Là, la coupe, elle pique les yeux quand même. Bon, c'est déjà, je préfère déjà celle-ci que la organique créature, mais elle pique les yeux. Elle pique les yeux.
Mais ça va encore, ça passe. Bon, allure, mes cheveux roses. Là, c'est un rose pastel. Ici, petit rata pour toi. Je pense que tu voulais dire rare, éventuellement. Celui-là, je crois que c'est la première fois que je le vois. Ou en tout cas, peut-être que à cause de la couleur, ça me porte confusion. Effectivement, il est assez contrasté. On a vraiment l'impression qu'il est mal dessiné. Donc, ça peut être un rare. Après, je suis pas sûre que ce soit un rare. Parce que c'est vrai que dans les premiers thèmes, vous avez beaucoup de vêtements comme ça. Et maintenant, avant, je pensais être sûre quand je voyais des vêtements comme ça que c'était un rare. Et puis finalement, c'est vous qui m'aviez dit « Ouais, non, mais fais attention, parce que dans les premiers thèmes, t'as beaucoup de vêtements comme ça. Et du coup, ce ne sont pas des rares. » Du coup, à chaque fois, je suis obligée de vous demander pour que vous puissiez me dire. Mais le problème, c'est que même quand je vous demande, il y a quand même des gens après qui me disent « Ouais, mais non, oui, non, oui, non. » Du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus. Puisqu'il y a des gens qui me disent « Oui », d'autres qui me disent « Non. » Et au final, je m'emballe. Voilà, je m'emballe. Mais bon. Alors. French Beret. Vous voyez, par exemple, celui-là, on a l'impression aussi que c'est un rare. Mais est-ce que c'en est un ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Autant il y a des rares que je reconnais et que je sais que c'est des rares parce que je les ai vécus, ces rares-là. Comme ça, je sais que c'était un rare, le tatou. Mais autant il y en a d'autres, franchement, je ne sais pas, absolument pas. Par exemple, le béret, jamais vu. Le hola, jamais vu. Voilà. Dessin pour toi. J'ai envie d'ouvrir son cadeau, mais je peux pas. Je ne peux pas. Je vais ouvrir ton cadeau, je suis désolée. J'en suis, hein, mais je ne peux pas. Et là, c'est du rose. Sneaky socks. Ça va bien avec le haut, au moins. Là aussi. Bon, là, je considère ça plus comme un blond que vraiment comme un rose. Là, ça fait vraiment un peu plus rose. Ici, ouais, voilà. On va ouvrir les cadeaux, là. Oh non, on aura un petit Bambi sur l'épaule. On l'adore. Et encore un petit Bambi. Pourquoi tu m'offres deux fois le même cadeau? Continuons. À la recherche des personnes aux cheveux roses. En plus, c'est soit les cheveux roses. J'adore aussi cette coupe. Elle est vachement belle. Ah, les personnes chauves. Personnes chauves, c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent. Vous demandez régulièrement d'ouvrir les cadeaux des délétères d'useurs et des personnes aux cheveux... Enfin, chauves. Là, vous voyez, ça aurait été seulement les premiers cadeaux que j'aurais ouverts, des personnes chauves. Ça ferait quand même beaucoup moins de cadeaux à ouvrir. Après, si vous voulez vraiment que je le fais, je le fais. Sous des délétères d'useurs, il y en a. Je vais faire attention aussi aux délétères d'useurs, histoire de voir un petit peu de enfin, comment on dit, palper le terrain, hein, histoire de savoir... combien... Voilà, par exemple, là, il y avait un deleted user. Donc, deleted user, il y en a. Mais on n'a pas forcément beaucoup non plus. Donc, si je fais un jour les cadeaux avec ces critères, sachez qu'il y aura moins de cadeaux à ouvrir. Là, j'ai pris les cheveux roses parce que je sais qu'il y en a des cheveux roses. Je sais qu'il y aura des cadeaux à ouvrir quand même. Deleted user aussi, ici. Mais ça en fait quand même pas mal, hein, finalement, des deleted user quand on y fait attention, bien sûr. Et plus je pense qu'on avancera dans le game et plus on trouvera des deleted users. Parce que ça remontera plus loin dans le temps, hein, forcément. 15L logique, bonjour. Et là, une personne chauve aussi. Par contre, j'adore la couleur de ses yeux, comme ça. J'ai l'impression que ça fait un rose violet, rose bleu, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que c'est pixelisé que ça rend comme ça, ça rend chelou, mais... J'aime beaucoup ses yeux. Ok, continuons. Bon, là, elle a des mèches rose violette, mais ça compte pas. On m'avait dit toute la tête en rose, à la limite un dégradé de rose, mais voilà. Attendez. Non, c'était des fleurs, j'ai confondu, à moi je me suis dit bon. Est-ce qu'il y a du rose? Mais pas du tout. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'est pas tombé sur quelqu'un aux cheveux roses, là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, ça, non, ça on considère plus comme un châtain. Ça c'est plus du blond. Ouais, des têtes d'user, il y en a ici. Oula! On m'explique ce qui se passe avec son visage ou pas? On m'explique ou pas? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Non mais lol. What? Lol. Non mais lol, c'est quoi? Non, je suis en train de regarder de près, mais on dirait qu'il y a, il y a son nez là qui ressort. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a été collé sur son visage. Je sais pas, c'est trop chelou. Oh lol. Voilà, cheveux roses. Ça faisait un petit moment. Là, mon look est vraiment... trop mignon. Mignon, mignon, mignon. René la taupe, ouais, c'était René la taupe. Hier, je cherchais en plus. C'était hier ou avant-hier, je cherchais.
Je me rappelais que c'était une taupe qui chantait ça, mais je me rappelais plus de son nom. Et j'étais en train de chercher, et là ça m'est revenu d'un coup. Merci. Kazelle YouTube. Continuons la recherche. Mais je suis encore choquée du... Je sais pas si c'est un bug ou c'est un truc sur le visage. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, si vous le savez. Hein. Dites-le moi parce que ça me... Voilà quoi, c'est chelou. Oh, sympa les couleurs du tatou. Sympathique. Par contre, ouais, c'est vrai que le tatou rose, je sais aussi. Enfin, avec les cœurs roses. Enfin, non, c'est avec les cœurs jaunes. Là, je sais que c'est un rare aussi. Continuons. Bon, là, j'ai envie d'ouvrir, mais il y a du bleu-vert dans les cheveux. On avait dit tous les cheveux roses. Allez, on va considérer ça quand même du rose. Pour la meilleure. Merci. C'est gentil. Continuons. Alors. Eh bien, écoutez. Je pense qu'à la prochaine page, on trouvera quelqu'un avec les cheveux roses. On s'arrêtera là. Ah, là, il y a du bleu. Il y a du bleu. Dommage. Dommage. On va trouver. Ah. On revient en arrière. Ritana. On va considérer ça comme du rose. Et on va ouvrir son cadeau. Et ce sont les Star Tattoo. On va les mettre. C'est vrai que ça va. Je sais pas, ça me démange moins que quand c'est les trous noirs. Les trous noirs, je sais pas. Là, vu qu'on voit que c'est des étoiles, ça fait déjà beaucoup mieux sur le visage. Mais rappelez-vous, pour les gens qui sont là depuis un petit moment, les sortes de trous noirs sur le visage, dès que je les vois, ça me fait démanger le visage en vrai, dans la vraie vie. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis la seule. Enfin bon, ok. Bah les gens, dites-moi dans les commentaires vraiment ce que c'est, le sort de bug là, ou je sais pas ce que c'est, un bug ou un truc trop chelou là sur... Mais c'est bizarre, le visage là avec qu'on a vu tout à l'heure, c'était horrible, ça faisait limite peur, mais je sais pas si c'est un truc qu'on peut faire ou si c'est vraiment un bug. Ça se fait, je dis que c'est un bug, mais en vrai, ça se fait, c'est juste, je sais pas, un accessoire custom sur le visage, j'en sais rien. Bref, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir dans le prochain J'ouvre vos cadeaux. Et je vous remercie pour tous les cadeaux que vous m'avez envoyés. Je suis désolée pour les cadeaux que je n'ai pas encore ouverts. Mais vous inquiétez pas, ça viendra un jour. On croise les doigts, on y croit. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.